Dans ce monde de merde, il me manque 3 fucking pièces violettes. Il m'en manque juste 3 et je sais pas où elles sont. Oh ouais, ça gaze. Là, il me manque juste 3 fucking pièces violettes. Une idée d'où elles se trouvent. Attends, sa puissance maximale. En même temps, avec toutes les lunes que je lui ai foutues. Let's go to the moon. Brother ne s'échappera pas, on le brisera jusqu'au pied de la lune. Allons-y pour les beaux yeux de notre demoiselle. Ouais, je suis à 371. En cherchant les pièces violettes, bah, sur les chemins, je trouve des lunes. Alors je les fais. Mon armure de samouraï! Monstre! J'aimais bien mon armure de samouraï. Salut Steven! Bon, normalement, Mario est mort, là, mais c'est pas grave. Il est beau comme un prince, comme ça. De quoi, Fouillou, qu'est-ce qu'il a fait, Whizbot? Nos demoiselles sont là-bas, aucun doute, dépêchons-nous. Toi, bordel de cul. Ouais, je vais avoir du mal avec la nouvelle gravité, moi. Il y en a que 50 des pièces dans ce monde là. Ah, cette gravité. Ah,
Moi j'attends Nintendo, moi, des images du vrai Fire Emblem qui va sortir sur Switch, moi. J'attends avec impatience ce Fire Emblem, moi. Ah, là aussi, je subis le changement de gravité. J'avais vu, hein. Et tout même pas que ça avait passé inaperçu. Pokémon, c'est toujours le même truc, tu vois, Fire Emblem. Et les meilleurs Fire Emblem, c'est ceux qui sont sur console de salon. C'est pour ça que j'attends avec impatience. Bon, quoique, Ico's était excellent. Ico's, j'ai rien à lui reprocher à cet opus. Ico's, il était excellent, par contre. Même ça a bousculé pas mal de codes de la série. On va revenir aux bases originelles de la série. Il était génial. Y'a un truc, ça vibre ici! Ah, c'est pas mon préféré! Mon préféré restera pas sa fragrance. Ouais, j'avoue, Trévis, ouais, les paysages sont excellents. Eh bah putain, j'ai du mal à découvrir le poteau rose, hein. Oh, oh, un athlétique machin. Non, t'es sérieux, là? J'étais au milieu! J'étais au milieu, bordel de merde à queue! Mais. J'ai aussi qu'il devait contenir quelque chose pour être aussi dur à casser. Ah, les trucs ils se déplacent en plus. Même pas du sur place. De quoi que tu n'avais pas vu? La lune de l'athlétique? Tu l'avais pas vu le truc de l'athlétique machin? Ah bah tiens, il y a une lune là-dedans. C'est pour ça que depuis tard je me fais chier à péter tous les cailloux. Attendez, est-ce qu'il y a une lune dedans? Non, tombe pas dans le vide! RIP la lune! Prions pour cette pauvre lune qui vient de tomber dans le sol. Dans le vide. Oh non, pas le lapin! Je vous aime pas les lapins. Bouge pas le lapin. Merde, les cailloux ont pas volé dans le bon sens.
La lune a le droit à sa prière. Même si je crois pas en Dieu, la lune a le droit à sa prière, la pauvre. Rudolf, plongeon. Vous n'aurez pas sauté assez loin. Lorsque vous êtes dans les airs, manisez-les, l'air pour plonger, pour arriver plus loin. Je sais pas pourquoi il donne cette astuce à ce stade du jeu, mais... C'est beau le plan sur la terre quand même. Bon, la pierre avec la lune a respawn. Bon, cette fois-ci, on la fera pas tomber dans le vide, hein. Ah si, je l'ai encore fait tomber dans le vide, putain! J'ai pas de chance. Bon, je... Il y a trop de gravité. Il y a pas assez de gravité. Ma faute! C'est la faute à la gravité! Elle veut pas se péter la pierre! Eh bah putain! Pif caillou sur la lune! Bah ouais! Mais avec du mal ton pif caillou, hein! T'as deux doigts de me fail quand même. Plateau du carillon. Il y a clairement un passage là-bas, hein. Bon, pour l'instant, à mon avis, je peux pas trop y aller. Oh, j'ai trouvé l'astuce. Ah, bien qu'ils aient retoqué quelque chose là-dedans. Salut Rereta! Oh, t'es sérieux là? Ah.
Ça va, ça va, ça va. Non, pauvre petit caillou. Pareil que ça sera allé de l'autre côté. Bingo. Trop facile. Je pourrais pas te dire, je dois pas être loin des 400 lunes. Je dois pas être loin des 400 lunes. Tout ce que je sais, après me demander le chiffre exact. Et. J'en ai pas la moindre idée de mon chiffre exact. Mouais. Salut Zerato. Mais c'est trop abusé les persos personnifiés sur SSBD, je trouve. Hein. Quand je vois que je peux lancer une méga bombe, t'as un peu trop pété les persos modifiés, Steven. Ça va très bien, ça va très bien. Pour l'instant, le style est présent. Bon, en même temps, pour l'instant, j'ai pas eu de trucs vachement durs à faire. J'ai pas vu un tuyau? Non. Salutations, voyageur, arrête-toi, car j'ai des questions. Est-ce vraiment le moment pour toi de m'assommer avec des réponses? Non. Exactement, au comporteur de bonnes réponses, tâche plutôt d'accomplir ce qui doit l'être. Ouais, en gros, toi, tu me libéreras le chemin une fois que j'aurai assisté à la cérémonie de mariage, quoi, en gros. Ok. Ah non, mais c'est possible, hein, Zerato. Bah... J'ai dû arrêter vers peut-être les 1h. Je sais plus à quelle heure je me suis arrêté hier. Je sais plus à quelle heure je me suis arrêté hier. Ah, de la lave! Ah, ça change d'ambiance d'un coup. Il y a toujours la gravité. Ah non, il y a plus de pesanteur là. Bizarrement, je préfère ça. Tiens, on peut bouger la statue là. LOL. D'où la statue de Bowser? Allez voir le truc là.
Ah, il peut pas voler très haut le machin là en fait. Et je peux juste suivre le chemin là quoi en fait. Y'a un truc par là-bas, non? Non, y'a que dalle. Je regarde pas s'il y a un petit passage quelque part. Ah, y'a rien de planqué. Bah moi aussi j'espère. Là ça se casse pas la gueule. Lâche-moi! Et lâche-moi! Salut Pixel! Oh, je les avais pas vus, les lunes là! Dis-moi les pièces, pas des lunes. Bien planqué celle-là. Bah, merci à toi, Zerato! Y a-t-il d'autres trucs planqués? Eh bien, ça fera un petit régène ça. Ah, y'a rien d'autre. Bon bah prenons le fil électrique. Oh mais est-ce qu'il y a un truc planqué là-bas? Oh, je pense après. J'ai que des abonnés fantômes moi quasiment. Peut-être voir plutôt prendre la position.
Ouais, j'ai que des abonnés fantômes quasiment, donc j'ai 133 abonnés, mais réellement qui me suivent, j'en ai moins de 10, hein, donc ça sera pas très efficace, c'est moi qui te le dis. La taille du truc. C'est seulement que j'ai trouvé pour atteindre les trucs là. Et maintenant. Non. Ah c'est bon, c'est... ça me crame juste le cul. J'utilise un HDPVR. J'utilise un HDPVR. Simplement. Ah, je sais. J'ai senti ma main vibrer, j'ai testé, puis il y avait bien en fait. Après, je sais que les SP, c'est plus un truc qui marche sur YouTube à l'heure actuelle. Mais bon. Mais bon, c'est ce que j'aime faire. Moi, ouais, donc, même si ça marche pas, je continuerai. Eh merde. Eh merde. Mon cœur supplémentaire. A nice day. Ah, vous emmerde profondément. Ah, ça se passait bien, puis là à nouveau je me fais leur masque.
Je voulais sortir, je voulais pas faire une attaque Je voulais pas faire une attaque rodéo, moi. Je voulais juste sortir du truc et prendre possession du prochain. La nombre. Pas besoin d'en parler de la musique épique. Mais bon, là! Bon. Je peux réussir un jour. J'y arriverai. Saloperie. Moi, le seul DBZ que j'aime bien, c'est Dragon Ball Z Budokai 3. Pas Tekkenchi, juste Budokai 3. C'est le seul. Les seuls que j'aime bien comme jeu DBZ. Putain, enfin! J'ai du mal, nom de Zeus! Pourquoi on a un rugbyman? Y'a pas de Budokai 4, hein. C'est dans Budokai 3 qu'il y a le Super Saiyan 4, hein. Y'a pas de Budokai 4, hein. Y'en a pas de Budokai 4, hein. Il n'existe pas. T'es dans le 3 où t'as le Super Saiyan 4. Y'a la fusion en Super Saiyan 4. Ok. Ah sérieux, il peut faire ça? Ah ok. Alors là, je pensais pas qu'il viendrait me charger sur les trucs là. Ouais non mais non. Alors c'est pas pareil, Budokai Tekkenchi. Et Budokai c'est pas du tout pareil. Les Tekkenchi je déteste. Le fait que quand les ennemis sont trop loin, ça scanne l'écran en deux. Ça coupe l'écran en deux. C'est juste une idée à la con. C'est pas du tout pareil, je me fous pas. Si j'aime que le 3, c'est pas pour rien. Si j'ai jamais aimé les Tekkenchi, c'est pas pour rien. Ah, il m'a boum, ouais.
Je m'y attendais pas en fait qu'il passe moi là-dessus. Je sais pas s'il y a un truc là. Non, elle a l'air de rien avoir. Ouais, je tombe plus pour l'instant. Oh, tiens, revoilà le premier boss du jeu. Et toujours aussi moche au passage. Ah ah, tu te souviens de moi? La déquête Madame Brood. Tu t'es traité avec si peu d'égards au pied des chutes. Je t'ai montré tout ce discours tout, mes chers petits Broodals. D'ailleurs, va t'apprendre la politesse. Mais le retourne, dis-moi, mon petit choupini, plus de famille que jamais. Il attend son déjeuner. Mais merde, abruti! Trois plombes! Pourtant, il est pas dur ce boss! J'ai pas joué, j'ai pas la console! Ouais, j'ai pas joué, j'ai pas la console et j'aime pas tenir le principe d'être aussi libre dans un terrain. Être aussi libre dans un terrain, ça me plaît pas à moi. Le seul gameplay qui m'a plu au niveau des déplacements et des terrains. T'es sérieux? Putain, le mec, il joue de je sais pas combien de coups de bateau. Non, moi, le seul gameplay qui me plaît, c'est celui de Budokai 3. Hein. C'est le seul. Tous les autres, où tu bouges super rapidement partout dans la map, où c'est plus de la fille qu'autre chose, ça peut être courir. Pour moi. Là en plus bah, c'est pas dur mais je sais pas la dernière fois sorti. Bah oui, ça arrive de mourir dans un boss simple, hein. C'est le principe du fail. Merde, ça allait plus loin que prévu. Voilà. Donc t'étais surprenant sur le fait qu'il fait plusieurs coups. Allez, au revoir. On va voir s'il n'y a pas des trucs planqués.
Ah bon, j'ai pas joué à Splatoon, donc je ne pourrais pas te confirmer ce que tu dis, vrai ou faux. Je vais te croire, j'en ai pas la moindre idée. Ah bah le sphinx, il est là, d'accord, je suis... Oh, du bling! Plein de bling! Non, c'est pas le genre de jeu qui m'intéresse, Splatoon. Non, ça m'intéresse pas, je suis pas très espèce. Donc, de base... Non, j'irai aussi lentement que je le veux. Oui, cool. Mariage, il attendra que je finisse sur mon tour du lieu. Tiens, tiens, voyons voir un truc. Le mec qui s'en fout rien du mariage, lui explose. Ça c'est tout moi ça. Un mariage, m'en fout. Ah, moi? Ah, moi, quand il y a des trucs à explorer, moi j'explore, moi. J'adore explorer. Ah, il y a une lune là. Il y a une lune sur la, le morceau là-bas. Ça brille à 2 km le truc. Ah moi dans un jeu, moi je suis pas pressé de faire on va dire l'histoire dans un jeu, moi. Ah, je peux pas me raccrocher là? Ah merde. Ouais, les lunes rappellent les corbeaux, c'est un peu ça, ouais. Limite, c'est ça, ouais. Bon, je suis curieux de voir ce qu'il y a dans ce trou. Eh, y a plus la gravité. Je rentre dans un bâtiment et y a plus la gravité. Ok, normal. C'est tellement logique. Attends, quelle est la sortie, quelle est l'entrée? Dites-moi ça, c'est la sortie. Merci. J'ai pas fini de faire le tour du proprio. Steven, tu enlèves ton correcteur automatique et tu me l'as refait en français parce que j'ai pas compris ce que t'as marqué.
Ah non, non, j'ai pas eu le courage de chercher les 900 Korogus, hein. Ah, j'ai pas eu le courage. J'ai fait tous les sanctuaires, mais tous les Korogus, non. J'ai pas eu le courage. Ah bah les là les dernières pièces que je cherchais. Heureusement qu'il y avait la grenouille, ça mais jamais je l'aurais trouvé sinon. Putain j'arrive pas. J'arrive pas, foutu gravité. Eh bah putain, eh bah voilà. Bon maintenant je peux y aller maintenant que j'ai toutes mes pièces. Voilà, j'ai toutes mes pièces, donc voilà, ça c'est fait. Tout le monde fouille ici. Pourquoi Pauline est là? Dommage! Try again! Bah, tout le monde, j'ai envie de te dire, tous les personnages respirent dans la lune. Moi, tu t'invites au mariage, Mario? Même en venant de toi, je trouve ça bien prétentieux. Et puis, c'est quoi cette tenue? Tu te prends pour qui, Nabo? Y'a pas de place pour toi ici! D'ailleurs, tu reconnais la même sœur que le bouquet de la mariée. Je te balancé loin derrière moi et basta. Prépare-toi à morfler, Mario. Je connais déjà ton gameplay, mec. C'est le même gameplay que quand tu m'avais affronté. Tu t'es invité à mon mariage pour le meilleur et pour le pire. Ouais, final boss. Ça je connais pas ça, par contre. Je connaissais pas la phase là par contre. Il me l'avait pas fait la dernière fois. Ok, ils enchaînent. Ah l'enculé ! Fils de pute ! Thank you.
l'air, Pluto. Alors donc j'avais le Seeker, hein. Parce que sinon, putain, j'étais dans la merde. Ah, ma cookie lag. LOL, on peut posséder Bonsoir. LOL. Oh merde, j'ai pas vu le tube qui me tombait sur la gueule. LOL, on rentre dedans. Thank you.
Ouais, qui arrive comme une fleur. Au revoir, Zera. Allez, ils sont tous les deux pris avant. Ah.